Des portes qui se ferment, mais pas pour tout le monde. Dans ce supermarché de Poyestre, près de Perpignan, à 19h, d'autres clients arrivent. C'est que pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Et maisons de retraite, tout à fait. Personnel soignant, mais aussi gendarmes, policiers ou pompiers, le magasin leur est réservé jusqu'à 20h. Une initiative plutôt appréciée. C'est beaucoup plus pratique pour nous d'accéder au commerce quand on finit nos tournées. Donc oui, je trouve que c'est une très belle initiative. On est quand même physiquement, moralement très... Vraiment, on est sur le front. Et là, de se retrouver, de pouvoir sortir et de faire une coupure avec toute cette effervescence, c'est assez important, oui. En privatisant son magasin, ce directeur a en fait concrétisé une demande relayée sur les réseaux sociaux. Une façon pour lui de saluer le dévouement des soignants. Plusieurs personnes du corps médical qui nous ont demandé si on pouvait éventuellement privatiser le lieu pour eux. Car ils veulent limiter un petit peu le contact avec les usagers, parce que toute la journée, ils ont contact avec des gens qui sont malades. On a pris cette décision ce week-end de privatiser le magasin. Le personnel de ce supermarché, également très sollicité, n'a pas hésité à se mobiliser pour faciliter les achats des soignants. Et ce sera ainsi tous les jours, du lundi au vendredi, de 19 à 20h, et ce, jusqu'à nouvel ordre.